Alors, il y a beaucoup de fans de foot ici, alors? Très peu. Très peu? Il y a beaucoup de pros équipe de France, mais très peu de fans de foot. Mais on est fans de foot, bien sûr qu'on est fans de foot. Et de rugby, Charles? Charles de rugby? Plus de rugby, oui, parce que moi, je suis de Toulon, alors ma culture, quand j'étais jeune... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire le... Pilou-pilou. Le pilou-pilou, voilà. Nous, les terribles guerriers qui descendons de la montagne vers la mer. Pilou! Pilou! Nous, les terribles guerriers, poussons notre terrible cri de guerre. Ah! Et... J'ai dit terrible cri de guerre! Ah! Bah bon, hein. Et pour ces soirs, est-ce que vous êtes plutôt positif? Oui, moi je suis très positif. Ah oui, oui. Je suis... Contre les Honduras. Oui. Moi j'ai l'impression, qu'est-ce que tu en penses toi, toi qui connais un peu le foot? Ouais. L'équipe de France, elle est plutôt jeune. C'est une belle équipe. C'est pas des stars, mais... Non, c'est pas... Ils aiment jouer. Mais sont des stars en devenir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France va quand même nettoyer l'image? Je dis nettoyer parce que je parle à la brésilienne. Nettoyer l'image d'avant de la coupe, de la dernière coupe. Mais c'est ce qu'on espère tous. Ce que je trouve absolument inacceptable, c'est que des gamins riches, talentueux, se soient laissés prendre à un piège absolument incroyable. Ils ont tous été ridicules, quoi. Et du coup, la France a été... Enfin, les Français ont été ridicules. On a tous été... Moi, j'ai eu un sentiment de honte, comme le sentiment qu'il y a pu y avoir politiquement, si je peux le dire, aux Européennes, où, encore une fois, on en a pris plein la gueule. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Allez, par contre, les enfants, ce qu'il faut... Pardon, mais il faut commander les pizzas. Pourquoi toujours le foot, c'est, en France, c'est pizza, ouais, bière. Au Brésil, c'est le churrasco. Mais nous, il n'y a pas de bière ici, on n'aime pas la bière. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'à mon avis, les femmes se barrent. Uh-huh. Et donc, personne ne fait la cuisine. Et du coup, les mecs commandent des pizzas. Quoi. Et je suis d'accord. La pizza vient juste les nourrir, sinon je pense qu'ils... Mais je suis d'accord avec toi. Un kilo de cacahuètes, je pense que ça file. Tu vois, ça marche aussi. Alexia. Tu paries. Alexia. 2-0. 2-1. Moi aussi. Et toi, Berlo? On va commencer, là, il faut y aller. Hein. Et moi, je dis... Ah. Large victoire de la France. Oh. Ah. C'est parti. C'est parti, les enfants. Allez, les petits gars. Blanc vêtu face au bleu de l'équipe de France, au bleu de Didier Deschamps. François, sans Ribéry, c'est dur, non? Ribéry? Oui. Et il va nous manquer, là, non? Non. Non, ça va aller? Il va pas manquer parce que les Français vont gagner, donc... Les absents ont toujours tort. C'est un dicton français, les absents ont toujours tort. Tort, ils ont toujours... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas raison. L'absent... Tort, tu vois pas ce que ça veut dire? N'ont pas raison, tu vois? N'ont pas raison, d'accord. Les absents n'ont jamais raison. Ça veut dire... Avec... Un absent, il a tout faux. D'accord. Voilà. Voilà, c'est très joli. Ouais. Ouais, carton. 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 Voilà le but. Et coup franc pour l'équipe de France. C'est dur comme début, là. On a vu sur cette action. La petite vigilance à ce niveau-là. Allez, on avait pu. C'est dur, les autres. Ah, la faute! Carton là-haut! Carton là-haut! Deux fois! Carton! Alors, il a carton! Il y a carton rouge! Discute avec le moins rouge! Exclusion à vie! Au moins rouge, exclusion! Alors, on peut Rien. Il y a trop de fautes. C'est ça, les Brésiliens. Mais c'est pas les Brésiliens. Mais c'est l'arbitre brésilien. Carton rouge, tu as de mauvaise foi, hein, François. C'est pas bien de faire ça. Un garçon gentil. Pas aux fautes. Il peut régler la mire, Mathieu Valbuena. Gurien est en premier lieu, son gardien Baliadares était battu.
Bah, s'il n'y a pas de but à la première mi-temps, c'est chiant, quoi. Non, ils sont bons, les. Moi, je trouve que j'aime beaucoup cette équipe. C'est bien, ça. C'est bon, ça. Allez! On le mérite encore une fois, celui-là, putain. Ça fait deux fois. Tu as des problèmes de coração. Tu es tout rouge. Tu respires plus. Ils sont serrés, leur Duras, non? Oui. C'est quoi votre analyse maintenant? Mon avis, c'est que... Mon avis, c'est qu'on est à 39 minutes 58 et qu'on n'a pas planté un but. Aïe, aïe, aïe. Ils sont finis. Ils sont finis. Ça pue comment jouer, là. C'est innovant. C'est bon, là. Bien sûr. Celui-là, il est bien tiré. Repoussé par la défense hondurienne. Récupéré par Griezmann. Cabaye. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Aïe. Penalty. Rouge. Rouge. Qui va nous tirer, François? Allons, enfants de la patrie. Pogba et pénalty pour l'équipe de France. Léon Duras réduit à 10. Et ce, tout juste avant la fin de cette première période. Allez, Karim. C'est là qu'on va voir sa force psychologique. C'est là qu'on va la mesurer, je peux vous dire. C'est là qu'on va mesurer. C'est très important. Mais là, il y est. Il y est. C'est tout. Voilà, c'est lui qui la met. Allez. Est-ce qu'elle nous fait plaisir, cette équipe de France? Ouais. Ah oui. Ouais, franchement, ouais. Oui. Est-ce que vous êtes fiers quand même de l'équipe, là? On est fiers, très fiers. Bah, c'est bien. Ah. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur le match? Alors, excusez-nous. Regarde-moi ça, c'est beau, l'action est belle.
Ils jouent pas, Léon. Ils jouent pas. Ça sert rien. C'est équipe de merde, ça. Ça joue la défense. C'est dangereux, d'ailleurs. Ouais, c'est dangereux, parce que... Alors, je l'ai dit, ils sont plus que 10, quand même. Oui, mais... Allez, les gars. Aïe, je prends pas. Frappe. Ça a été contré par un Français. Aïe, aïe. Tu penses qu'à 4 ans, ils avaient gagné cette match quand même, François ? Justement, il y a 4 ans, ils auraient perdu. C'est la différence. Verts, on la retrouve, tout retrouve, à fait. Hein. Et en plus, symboliquement, c'est, on commence par 3-0. Ah oui. On s'en attends, souvient. Ils sont 35e mondial à Honduras. Donc c'était normal de gagner, mais en même temps, c'est pas évident parce que voilà, c'est un premier match de premier tour pour le PSG. Mais en tout cas, bravo, tape là. Voilà. Obrigada. C'est toi qui es gentil de nous accueillir chez toi. Accueillir. Avec... Accueillir. Accueillir. Non, pas accueillir. 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 Non. Non, non, non. Tu sors. Tu sors. Tu sors. C'est fini.